Non, mais c'est pas grave. Ouais, bah quand même. Bah oui, je sais, c'est chiant, mais bon, t'es pas le premier. Bah je sais, mais c'est relou quand même. J'étais super excité en plus. Je sais pas, je dois me mettre un coup de pression, quoi. En plus, j'ai l'impression que plus ça va, plus c'est difficile de bander bourré. Mais arrête de boire avant de baiser déjà. Pff. Bah quoi? Bah je serais là si on n'avait pas bu. Bah je sais pas. Non, peut-être pas, non. Ah ben voilà, tu vois. Bah, j'ai passé une bonne soirée quand même. C'est vrai qu'on s'est mis une bonne caisse. Hein. Oui. Tu sais que je serais jamais venu te parler sinon, je crois. Oh, t'es timide? Ouais, mais pas seulement. Je suis hyper difficile. Comment ça? Bah, physiquement, déjà. Si j'ai pas picolé un minimum, je m'intéresse qu'aux avions de chasse, quoi. Genre de meuf, je sais très bien que je ramènerai jamais à la maison. Alors, t'as bien avancé? Ouais, c'était bon. Ah, t'es tombé sur ce vieux casque. Ouais. D'ailleurs, t'en fais quoi? Oh ben, je sais pas, prends-le ou jette-le. Mais c'était à qui? C'était à toi? Mais j'ai dû le trouver dans une brocante, je me souviens plus. Arrête de faire ça, maman! De faire quoi? Bah à chaque fois que je te pose des questions sur ton passé, t'es fuyante, c'est chiant. Alex, s'il te plaît, on a passé la journée à débarrasser, on va pas encore se disputer sur ça. Et la vieille moto en bas, là? Bah, ça fait des années qu'elle a pas roulé. Bah, je vais en profiter pour faire venir quelqu'un pour m'en débarrasser. Louis, tu te souviens de Louis, mon pote Louis, mécano? Oui. Moi, je peux peut-être l'appeler, il vient avec une remorque, il nous aide à la débarrasser, et puis je pense que ça peut l'intéresser pour récupérer des pièces. Oh, Francis! Ouais. Les vacances. Mon ami, c'est fabuleux, il y a des carpes. J'ai jamais vu des carpes pareilles, tu serais fou. Julie, elle va bien. Mozart ici. Ça, c'est Vivaldi, ça. C'est les quatre saisons de Vivaldi. Va te faire enculer. Okay. Eh ben, je crois que j'ai pas joué avec un mec depuis 2015. Oh, sérieux? Je suis le premier mec à te faire jouir depuis 2015? Bah non, c'est ce que je dis. J'ai pas joué avec un mec depuis 2015. Ben là, faudrait que tu te remettes un peu en question quand même.